pensez-vous de la Bible? Est-elle pour vous la parole de Dieu? Que pensez-vous du message laissé par Dieu à l'humanité? Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission « Toute la Bible en parle ». Réal et Denise Lacombe seront nos invités à l'émission d'aujourd'hui et Jacques Whitney sera de retour pour une autre chanson. Et nous avons le livre « Le Christ inconnu ». Ça a été un nouveau livre que nous vous avons offert durant cette présente série par Gaston Racine. Et nous aimerions que tout le monde, que chaque personne puisse lire ce livre. Vous avez aussi les deux autres que je ne vous montre pas. Vous allez voir les numéros de téléphone. Notez-les bien et appelez-nous au cours de l'émission ou tout de suite après. Edmonton 449-5291, Granby 375-4575. Le Montréal et la Rive-Sud, 467-9966, et Sherbrooke, 566-6946, Thetford Mines, 334-0020. Appelez-nous et demandez-nous à quel endroit vous pouvez regarder ces différentes émissions ou peut-être même faire donner vos commentaires, vos choses. Regardons maintenant une partie de hockey. Bonjour, je m'appelle Jean Pronovo. Et j'ai joué dans la Ligue nationale de hockey entre les années 1968 à 1982 avec Pittsburgh, Atlanta et Washington. J'ai le plaisir de vous présenter la version française du vidéo Hockey Beyond Belief. Durant ces années, j'ai eu le privilège de jouer avec certains des joueurs qui partageront leur témoignage d'une vie transformée. Hockey ont découvert un but encore plus grand à leur vie. Par leur foi chrétienne, en jouant au hockey et en vivant au-delà de leurs croyances. Je suis un joueur agressif. Frapper, c'est mon jeu. Cela fait partie du hockey et j'aime la sensation de frapper. Et lorsque je plaque un gars de 225 livres, ça fait mal. Mais tu dois te relever et continuer. Et ça leur fait mal aussi quelquefois. Messier looking. And the light goes on, he scores! Mike Gartner! It's a power play goal for his 500th NHL goal! Je me considère comme un dur travailleur. J'ai toujours à l'esprit que je veux être dans la meilleure condition physique possible et me donner une chance sur la glace. Jean Pronovo a été échangé dans l'équipe cette saison-là. Quand il est venu la première fois, les gars ont dit « Fais attention à Jean. C'est un de ces chrétiens nés de nouveau. » J'avais entendu parler de nommer Ryan Walter et Mike Gartner. Ryan était le capitaine des Capitals de Washington à l'époque et Mike était aussi une vedette avec les Capitals. Je me souviens un soir avoir été invité à une étude biblique à sa maison. Et ne voulant pas le blesser, je suis allé à son étude biblique. Et j'ai commencé à découvrir ce soir-là que le Seigneur avait beaucoup à dire par sa parole, la Bible. Et comme je commençais à lire l'Évangile de Jean, j'ai découvert que Jésus a dit « Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi ». À ce moment-là, je ne cherchais pas. Je ne recherchais rien. J'étais au sommet de ma carrière. Ça allait très bien. J'avais une année formidable. Les choses allaient tellement bien. Lorsque j'ai été confronté avec la vérité, avec ce que Jésus-Christ a fait pour moi en mourant sur la croix pour mes péchés, je suis venu au point où soit que j'acceptais cela, soit que je le rejetais. J'ai découvert par Jésus-Christ qu'à cause de tout ce qu'il a fait en mourant sur la croix, qu'il était le substitut pour ma mort. La substitution pour ma mort, il s'en était déjà occupé. Je ne pouvais pas refuser. La vérité me fixait droit dans les yeux. De retour en studio, à une époque où on est privé, on n'est pas très gâté du côté sport, ça fait du bien, n'est-ce pas, de regarder quelques extraits de parties d'hockey. Je connais Réal Lacombe depuis très, très longtemps. C'est un ami d'enfance et il s'occupe de cette organisation Mission Hockey International. Ne manquez pas dans quelques instants l'entrevue que nous avons eue avec Réal et Denise, son épouse.
qui sont depuis quelque temps maintenant avec Mission Hockey International. Et ils vont nous parler eux-mêmes de ce que ça représente dans leur vie, les différentes activités, et comment des hommes qui sont très, très engagés, très pris par le sport, ont eu la pensée de Dieu et comment ça a changé toute leur existence. Et ces gens-là, ces sportifs, ces étoiles du Forum de Montréal et de tous les autres endroits à travers les États-Unis et le Canada, ce sont des hommes qui aimeraient venir vers vous, vous apporter un témoignage. Et par le biais de Réal, nous allons entendre comment leurs vies ont été changées et comment le ministère de Mission Hockey International fait du bien dans le monde. Rendons-nous auprès d'eux maintenant. Réal et Denise Lacombe. Ça, ce sont c'est un nom, Lacombe, qui résonne dans mon oreille depuis ma tendre enfance. À Trois-Rivières, au Cap de la Madeleine, on a été élevés ensemble. Denise est bien au courant, là, maintenant, depuis toutes ces années. On a déjà été tous les deux, Réal, laveurs de vaisselle dans un camp d'été, tu te rappelles? Ah oui. On a fait tous les camps. Et puis, je ne sais pas si on doit dire ça devant Denise. Il y avait des camps de filles aussi, hein? Ah oui. Mais c'était des bons camps chrétiens, puis on était bien surveillés. Mais quand même, je pense qu'on n'a jamais eu autant de blondes. Dans ces années-là. On ne savait pas qui étaient toutes nos blondes non plus, là. On se vante, là. On devrait arrêter de se vanter. Mais ça a été une belle expérience. Les deux familles, Lacombe, se sont connues. Puis un jour, nos parents, ton père... rencontré ma mère, elle était veuve depuis un bon nombre d'années, 7-8 ans. Ils se sont mariés, puis on est devenus, en quelque sorte, des beaux-frères, belles-sœurs. C'est ça. Alors, dites-moi un peu ce qui se passe dans votre vie présentement, tous les deux, là, qu'on puisse... Quand même, moi, je le sais, mais tout le monde Moi, depuis le mois d'août 93, on m'a demandé d'aller pour Mission Hockey International, qui est Hockey Ministry International en anglophone, pour faire le côté francophone. Et j'ai commencé au mois d'août. La première chose, vous avez vu des extraits du vidéo. Il y a quelques instants. C'est des extraits de cette vidéo-là, si Hockey au-delà du but. Si ça vous intéresse d'avoir la vidéo au complet, écrivez-moi à Mission Hockey International, 1521 Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch-de-Richelieu. Le numéro de téléphone, c'est le 785-5505. On va essayer de tout avoir ça, même à l'écran. On le promet pas, c'est peut-être... Pendant que je le dis, c'est peut-être en train de... On peut peut-être le voir. Ou après. On va peut-être le montrer un peu plus tard. Donc, les gens pourront vraiment le noter. Est-ce que vous avez bien des belles choses comme ça à nous offrir? Oui, j'ai... Oui. À l'heure actuelle, on a le livre qui a été traduit, remporté la mise au jeu, la victoire de la mise au jeu. Je vais le tenir. Et puis qui est un livre qui est en anglophone aussi, qu'on fait mettre en français, qui est une brochure qui va avec la vidéo, qui compte des statistiques sur le hockey, aussi qui emporte des bons témoignages de comme un gars comme Ryan Walter, Bobby Basson, Mike Gardner, Laurie Boschman. Fait que c'est un petit livret qui est très intéressant à lire, qui accompagne la vidéo. Et puis la vidéo, tous ceux qui l'ont vu sont émerveillés. Ah oui, venez jusqu'à date, c'était vraiment formidable le résultat du vidéo. Il y en a même un témoignage à donner dans l'église chez nous. Vous êtes venu au fait. Je pense que je peux l'enlever maintenant. Il est venu au fait. Vous êtes venus tous les deux nous présenter le vidéo. Et puis, dans notre église, nous avons plusieurs qui sont sportifs. Puis, il y en a un en particulier, un jeune, là, un garçon. Ça lui a fait vraiment du bien. Il n'aimait pas trop qu'on lui marche sur les pieds. Là. Puis, tu sais, comme sportif, sur la glace, les coups durs qu'on peut recevoir des fois, que ce soit par accident ou volontairement. Il y en a pas mal que c'est volontaire. Et puis d'entendre le témoignage de ces gens-là, même la petite grimace qu'on a vue tantôt. Là, Bobby Basson. C'est Bobby Basson, ça? Oui. Grrr, comme quand il fait ça, là. Il y en a, je pense, c'est plus qu'accidentel. Hein. Ils ont dans leur tempérament un peu de tigre. C'est beau de voir le ministère que vous faites tous les deux. Alors, ces choses-là, ça... Ils peuvent les recevoir, ils peuvent qui m'écrivent ou qui me téléphonent et je vais lui donner des instructions, donner des bonnes instructions pour comment faire pour en avoir un avec le livre. Et puis, à part de ton beau sourire, toi, Denise, qu'est-ce que c'est que tu viens faire dans toute cette affaire, dans votre vie de couple, de ministère que vous avez ensemble? Quand j'ai des moments libres, j'aide Réal dans son travail de bureau parce que présentement, je suis un cours en secrétariat. Au Centre de formation professionnelle à Tracy. J'ai été bénie de pouvoir m'inscrire à ce cours-là qui dure 14 mois.
J'apprends beaucoup de choses que je ne connaissais pas puis qui sont utiles pour aider un peu au ministère en dehors des heures de travail, le soir ou la fin de semaine, dans les temps disponibles que je peux avoir. Parce qu'il y a beaucoup de travail de bureau que ça prend quelqu'un pour le faire. Puis présentement, Marianne est seule. C'est plus vite que mes deux doigts. Du ministère français. Oui. Puis je pense que vous avez un privilège aussi du fait que vous avez une grande fille, une adolescente. Oui. Manon. Une merveilleuse grande fille. Oui. Puis maman peut partir toute la journée. Et puis sans être inquiète. Hein, ah non, Manon suit ses cours à son école, moi je suis mes cours à mon école. Mais c'est une bonne grande fille. Parfois, adolescent, c'est signe de problème, mais dans son cas, ça va vraiment bien. C'est vrai. Hein? C'est une bénédiction. Oui, on peut louer Dieu pour ça. Bon, bien, on va passer tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'il y a un beau témoignage à rendre. On a eu quelques parcelles de témoignages, et on va parler un peu plus du ministère, puis ce que ça fait dans la vie des gens. S'il y a eu des effets dans votre expérience jusqu'à présent, qu'est-ce que ça a produit? Si on peut espérer de voir des joueurs de hockey là, se donner à ça, il y a toutes sortes de questions qui me viennent à l'esprit, pas nécessairement dans l'ordre. On pourrait peut-être commencer en disant, c'est quoi Mission Hockey International? Mission Hockey International existe depuis 1977, le côté anglophone. Et un des gros aspects de Mission Hockey International, c'est de faire des camps ou des cliniques de hockey d'une semaine. Et on a le privilège d'avoir une quarantaine de joueurs, des joueurs du passé et des joueurs à date, comme Bobby Basson, qui joue au hockey pour les Nordiques de Québec. Les gens le connaissent, lui, ceux qui sont sportifs, ils savent de quoi on parle. Mike Garner, qui vient d'être transféré pour Toronto. Oui. Ça aussi, c'est un vrai bon chrétien. Et oui. Ces gars-là, à l'heure actuelle, ils partent justement le vendredi pour donner le temps pour aller dans un camp de hockey qui commence au Minnesota, il y en a au New-Brunswick. Il va y en avoir à Montréal, il y en a même jusqu'en Suède et en Suisse. Et ces joueurs-là montrent sur la glace les vrais jeux de que les jeunes faut qu'ils apprennent pour être des bons joueurs de hockey. Et nous avons additionné un volet spirituel que les joueurs de hockey donnent le témoignage de soir à ces jeunes-là pour lui montrer qu'il y a un autre but dans la vie, la nouvelle naissance. C'est ça. Ils montrent aux autres c'est quoi que ça lui a apporté d'être né de nouveau. Et appartenir au Seigneur, ils mettent Jésus le premier et ça fait toute la différence. Ça, c'est un des affaires qu'on fait. Et une que je vais mentionner, qu'on a fait au mois de février 1994, on a eu un déjeuner des athlètes chrétiens, le premier déjeuner français, francophone. On avait Ryan Walter et Jean Pronovost qui étaient avec nous. Et nous avons commencé par Sorel, avoir une soirée. Et Ryan signait des autographes. Ah oui, il vient avec vous, là. Ah oui. Puis oui. Le samedi matin, on avait Jean Pronovost et Ryan Walter, où est-ce qu'on avait loué l'hôtel Delta à Trois-Rivières. Il y avait 340 personnes qui sont venues. De la région, là. De la région de Trois-Rivières, Shawinigan, Cadre-Madeleine. Et Ryan et Jean ont pris du temps après pour répondre des questions aux jeunes, signer des autographes qu'il y a dans le petit livre ici, là, où est-ce qu'il est le portrait de Ryan Walter. Mm-hmm. Et dans l'après-midi, nous sommes partis pour aller à Saint-Boniface. Et là, à Saint-Boniface, Ryan a même été changé, mis ses patins, son outfit de hockey. Puis il a joué avec les jeunes, après ça, il a joué avec les parents. Et dans ce temps-là, moi, j'étais en haut dans une salle, paroissiale qu'on avait eue, deux autres à Saint-Boniface. Et on a projeté le film Hockey au-delà du but. Et après, Ryan est venu répondre à des questions et donner un peu de son témoignage, les questions que les jeunes avaient à passer. Et il a signé des autographes là aussi. Et après, nous sommes partis de Saint-Boniface pour aller à Lennoxville. Et Lennoxville, encore là, nous avons eu toute une soirée. Il y avait au-dessus de 400 personnes qui sont venues entendre Ryan et voir la vidéo. Et là aussi, Ryan a signé des... Fait que cette fin de semaine-là, on a fait au-dessus de 1000 km. Puis combien de centaines de personnes, si on additionne tout ça? C'est ça, il y a plusieurs personnes, quasiment, on dirait, aux proches 8 à 900 personnes qui ont entendu l'Évangile, qui ont vu le film Hockey au-delà du but et qui ont entendu parler Ryan Walter. Et là, j'en prépare d'autres qui vont avoir lieu au mois de septembre 1994. Est-ce que tu connais les dates, les lieux? Parce qu'on pourrait déjà les mentionner. Attends un peu. Vous allez passer à l'émission. On fait l'émission un peu d'avance, là, ici, aujourd'hui. Vous passez, j'oublie la date, là. C'est au mois d'octobre. Oui, là, ça va être avant. C'est le 3 septembre, on a une clinique. Ça a déjà eu lieu au moment où on passe. C'est ça. Oui. Et au mois de novembre, on devrait avoir un déjeuner, j'espère, à Drummondville.
Puis on espère d'avoir Bobby Bassin, mais là, c'est pas confirmé. Il faut que je parle avec Bobby Bassin avant de voir si ça peut se faire. OK. Alors, si les gens voulaient avoir des dates de ces rencontres, ils m'écrivent. Ils peuvent vous écrire l'adresse qu'on a eue tantôt ou nous téléphoner directement à Toute la Bible en parle. Encore. Au numéro qui paraissent au cours de l'émission. Surtout, ils peuvent appeler. C'est ça, les régions, ils vont référer à moi après pour plus de renseignements. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes avec ce ministère-là? Depuis août 1993, ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois, là, maintenant. Puis, qu'est-ce que c'est que vous retirez de ça, Moi, ce que j'aime, c'est de voir comment est-ce que c'est que des personnes que ça faisait plusieurs années qu'ils attendaient parler de l'Évangile, mais après qu'ils ont vu le hockey au-delà du but et voir des témoignages comme des gars Bobby Bassin, Mike Garner et Ryan Walter, comme à Saint-Boniface, il y en a qui ont accepté le Seigneur la fin de semaine que nous avons foncé là. Et Jean Pronovost. Jean Pronovost qui fait toujours partie. Hein, ah oui. Avec Jean Pronovost, on a fait un déjeuner au mois de mai, le 1er mai, à Pierrefonds. Et ça a été très bien perçu. Et Jean a fait un bon témoignage. C'est beaucoup d'ouvrages, mais pour le Seigneur, il n'y a jamais trop d'ouvrages. C'est vraiment plaisant de faire le ministère. Ça vous amène à voyager au Québec, dans plusieurs régions. Oui. On a toujours, au cours des années ici, bien, l'émission Toute la Bible en parle est une émission pour faire connaître l'Évangile, puis inviter les gens au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le but, hein? C'est pas une religion, c'est pas une secte, comme des fois les gens prétendent que c'est. Puis vous, c'est la même chose, c'est pas une religion. Non. C'est de vraiment faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. Puis on dit que la religion du Québec, c'est le hockey. Ah, oui. Le sanctuaire, c'est le forum. Un bel exemple du hockey, Fernand, qu'on peut comparer avec notre vie chrétienne, c'est que si le gardien de but est capable d'une pénalité, ils vont choisir un de ses coéquipiers pour prendre sa place. Parle-en d'un un peu de ça. Il va payer pour la pénalité du goaler. Oui. Mais nous, le Seigneur a volontairement donné sa vie pour nous autres, pour prendre notre place. Fait que c'est un bel exemple qu'on peut faire avec le hockey et notre vie chrétienne. Il doit y avoir plusieurs parallèles, justement. Quand tu entends le témoignage de ces gens-là, chaque fois, il doit y avoir un joueur de hockey qui amène... Oui. Il y a Ryan Walter qui a amené un bel exemple dans la réunion d'une place qu'on a faite. C'est que Ryan était rendu sur la 5e équipe. Et ça veut dire qu'il faut qu'il patine plus. Ah. Fait que là, son garçon était assis en haut d'un gradin. Fait que quand il a eu fini, il dit à son garçon... je vais échapper son nom, là. Mon garçon descend, on s'en va à la chambre. Fait que comme il a passé pour s'en être dans la chambre, il y avait un père avec ses deux fils. Puis il a dit à Ryan, est-ce que tu signerais l'autographe pour mes deux garçons? Enfin, Ryan dit certainement, fait qu'il signe ça. Fait que là, un petit gars part. Jason. Il rouvre la porte de la chambre des joueurs de Canucks. Il rentre. Les deux petits gars, « Hey, papa, gars, il rentre dans la chambre des joueurs, il n'a pas le droit. » Mais Ryan dit, « C'est à mon fils, il avait le droit de rentrer parce que j'étais son père. Oui. » Et nous, notre père nous a donné notre accès. Fait qu'à cause qu'on a accepté, on a accès auprès de lui et on peut rentrer, le rencontrer. C'était des belles exemples. Un bel exemple. Oui. Je me rappelle un jour, on a eu Jean Pronovost ici, autour de la table. Je ne sais pas si c'était exactement ici ou en studio. Et Jean Pronovost disait qu'il entendait l'Évangile depuis un bon bout de temps. Puis on ne s'imagine pas que les joueurs de hockey qui gagnent des millions de dollars et puis qui sont très actifs, sont très, très en demande, peuvent avoir une faim et une soif spirituelle. Est-ce que vous rencontrez des gens comme ça qui... Oui, parce que tous les témoignages qu'on voit, de même Mike Garner puis Bob Bassin, c'est des gars qui cherchaient. Mais comme Bob Bassin, il faut que je dise, c'est que c'est un jeune qui a accepté le Seigneur dans un des camps de Hockey Ministry International, la mission hockey internationale. Ah oui? Et aujourd'hui, il joue pour les Nordiques de Québec. Et il est prêt à venir avec nous autres pour montrer sa foi chrétienne et jouer au hockey. Ça peut se faire les deux. Puis encourager le ministère français. Oui. Ah oui, il est prêt à... Ça doit vous réjouir, hein? Ah oui, c'est quelque chose de dire. Imagine-toi les sportifs qui écoutent ça, ils ont hâte de le rencontrer. Ah, justement, il y a deux semaines, j'étais dîné avec le joueur de hockey, le goaler des Philadelphies, Dominique Roussel. Oui. Et lui-ci est vraiment emballé avec Mission Hockey Nationale. Il veut faire part des réunions qu'on va avoir quand ça va être possible pour eux autres, avec tous ces duels chargés. Il faut se céduler sur le temps à eux autres et non pas sur mon temps, moi. Mais ça va bien. Parce qu'il y a quelques semaines, on a eu Wallen Price ici, qui nous a parlé de ce ministère de mission hockey international.
Et Wallum, il nous disait, Wallum Price, que quelqu'un qui voudrait faire une réunion dans sa région, il pourrait vous contacter. Certainement. Parce que mon premier but, c'est de rejoindre toutes les églises de la province de Québec, aller présenter Mission Hockey International, me trouver des coéquipiers dans chaque ville. Et c'est ça qui vient le but de le petit sac que j'ai ici. Nous voulons prendre ce sac-là, mettre un vidéo et le petit livre avec, mettre 20 livres, un vidéo, pour donner à chaque instructeur pour qu'il fasse circuler la vidéo parmi les joueurs. Et chaque joueur va avoir un petit carnet comme ça. Eh bien, là-dessus, mon cher Réal, ma chère grande, comme je l'appelle des fois... Oui, mon petit beau-frère. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Et Réal, bien, il faut retourner derrière la caméra, toute la Bible en parle. On est prêt. Okay. Merci de nous avoir invités, Fernand. Merci. C'est un plaisir. De retour en studio, quelle vie passionnante, celle de Réal et Denise. Merci beaucoup. Et ça nous réjouit de savoir que tout le monde, peu importe les nobles comme les plus pauvres, peuvent venir au Seigneur Jésus-Christ et connaître un changement de vie. Et ça, c'est à cause de la parole de Dieu. Bonne nouvelle aujourd'hui, vous êtes offert gratuitement. Pourquoi ne pas en faire la demande maintenant? Bonne nouvelle est une partie de la Bible. Et notez bien les numéros de téléphone qui vont paraître à l'émission. Et appelez-nous et demandez bonne nouvelle aujourd'hui. Et votre vie aussi commencera à changer pour la gloire de Dieu. Et voilà ces numéros, notez-les bien. Et un jour, dans la vie de notre chanteur, Jacques Whitney, il a connu lui aussi une grande délivrance. Et depuis ce jour-là, il aime chanter. Nous avons ici sur la table une cassette, peut-être vous l'avez entrevue tout à l'heure lorsqu'on a montré les livres. Et cher ami, il y a quelqu'un qui n'est pas indifférent à vos cris, et Jacques Whitney nous le chante maintenant. Source de vie, de paix dans
Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas indifférent. Et comme nous avons dit au tout début de l'émission, que pensez-vous de la Bible? Est-elle pour vous la parole de Dieu? Eh bien, seulement la parole de Dieu et le Christ qui est encore trop inconnu peut changer votre vie. Un grand, grand merci à Jacques Whitney qui vient de chanter cette chanson. Merci d'avoir été là pendant les 3 semaines. Il va nous revenir. Et notez bien les numéros de téléphone encore à la fin de cette émission. Vous pouvez encore les noter. Il est encore temps de nous appeler et puis de demander les ouvrages. Et en même temps, pourquoi ne pas nous dire d'où vous appelez? Et, ça fait combien de temps que vous regardez l'émission? Est-ce que l'émission est bonne pour vous? Est-ce qu'elle vous touche? Dites-nous aussi si vous invitez Jésus-Christ dans votre vie comme sauveur, comme Seigneur. L'émission a pour but de vous inviter au Seigneur qui vous aime, qui a donné sa vie. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est vous, c'est moi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne manquez pas ces émissions, la prochaine émission, ne la manquez pas non plus. Nous aurons ici le chanteur Western, Jacques Boulian et son épouse, Jeanne. Et appelez à votre poste communautaire pour connaître l'horaire, l'heure et le jour des diffusions de l'émission Toute la Bible en parle. D'ici lors, à bientôt. Thank you.